se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai annoncé dans la vidéo précédente, un concours que j'ai gagné sur Facebook. Mon fifi est toujours aussi dissipé, elle veut toujours faire tomber ma caméra. Voilà. Donc là, ça n'a rien à voir avec le scrap, rien à voir avec les loisirs créatifs. On m'avait identifié pour faire le concours, donc bon, je l'ai fait. Et j'ai gagné. Voilà, c'est bien. Hein. Et alors, quand on ouvre la boîte, ça sent super bon. Parce que voilà, hop là, voilà ce que j'ai gagné. Alors, par contre, petit message à la société. J'ai reçu en bon état, mais Fifi, s'il te plaît, voilà. Mais comme vous voyez, voilà, j'ai reçu, ça bouge énormément dans la boîte et les flacons sont en verre, bien sûr. Là, il y avait des choses en plastique. Vous avez eu beaucoup de chance que ça n'arrive pas cassé. Donc, je veux juste vous donner un petit conseil, parce que je crois que vous êtes une nouvelle société, j'en suis pas sûre, puisque je ne vous connais pas très très bien, même pas du tout, désolé. ce serait de peut-être emballer un peu mieux les flacons, parce qu'il risque d'y avoir de la casse à l'arrivée, et ce serait vraiment pas top, voilà. Juste peut-être mettre un peu de polystyrène ou quelque chose, voilà. Mais bon, moi j'ai eu la chance, c'est arrivé en bon état. Mais c'était juste une petite un petit conseil que je voulais vous donner. Voilà. Alors que la personne qui s'occupe de cette société, donc cette société, c'est 1000 essences. Voilà, je vous montre. Donc c'est une société qui fait... des huiles essentielles, voilà, je pense qu'ils font ça, oui. Donc là, je pouvais choisir la saison que je voulais, mais on est en automne, donc automatiquement j'ai choisi l'automne. Donc j'ai gagné ces trois flacons d'huile essentielle, donc un orange douce. Voilà. Un, alors ça je ne connais pas du tout, Ravinsara. Voilà. Et le dernier, Laurier Noble. Voilà. Et avec, donc, bon ça c'est des petits cadeaux, hein, je pense, un petit flacon comme ça, avec en verre. Et un petit cœur, voilà. Voilà. Hop, une petite boîte cœur. Et j'ai eu une petite carte où elle me note merci pour votre soutien Sandrine. Voilà. Donc là vous voyez, donc j'ai eu la box de automne. Alors, je vais vous mettre le lien de sa page Facebook, puisque moi je les ai connus par le biais de la page Facebook. Et bon, malheureusement, je ne peux pas trop vous en dire plus, parce que je les connais pas trop, mais bon, ils demandent à être connus, parce que bon, tout ce qui est huile essentielle, tout ça, maintenant, ce sont des choses qui fonctionnent très bien. Et donc voilà, par exemple ici je vois sur le petit livre qu'elle m'a mis, avec le code box par exemple, on a 10% sur un bijou anti-stress aux huiles essentielles, vous voyez. Voilà, donc ça doit être des petites boucles d'oreilles. Donc parfumer, respirer et rester zen. Donc on met certainement du parfum dessus et ça nous permet de rester zen. J'en ai besoin moi en ce moment. Donc j'essaye de regarder un peu. Alors votre notre marraine Chris Martin, naturopathe, enseignante en aromathérapie, chroniqueuse radio et rédactrice pour la presse écrite.
Donc ça, c'est une personne qui doit travailler certainement avec eux. Donc là, il nous explique avant de se lancer dans l'aromathérapie, un peu ce qu'il faut faire. Là, il y a les propriétés et les explications des petits flacons que j'ai eus. Donc, ce que veut dire le laurier noble. Donc, son symbole, par exemple, son origine, ses propriétés. Alors l'aroma express, donc ça, c'est pour avoir sa confiance en soi et sa concentration. Voilà. Donc il y a des petits symboles qui expliquent également comment s'en servir, vous voyez. Et il y a aussi les petits symboles de comment ne pas s'en servir. Voilà. Ça peut avoir une action narcotique en cas de surdosage. Prenez garde à ne jamais forcer la dose ou prolonger son emploi. Donc voilà. Je pense qu'il ne faut pas mettre directement sur la peau. Alors après, il parle de. Donc c'est celui-là, celui que je ne connais pas, le Ravintsara. Donc c'est de Madagascar, arbre aux bonnes feuilles. Donc les Malgaches s'en servent pour soigner une multitude de maux, mais aussi pour parfumer leur rhum. Voilà, donc pareil. Hein. Donc c'est pour stimuler les défenses immunitaires, retrouver meilleur moral. Ah ça c'est bien. Prépare au sommeil. Ah, c'est tout à fait ce qu'il me faut en ce moment. Drainant. Et tout. Donc, voilà. Et l'orange douce, pareil, j'explique. Voilà. Donc je vais lire ce petit livre qui était mis dans cette box pour voir et puis bien m'en servir. Voilà. Tiens, je vois qu'on peut même s'en servir pour faire des bains de bouche. Donc peut-être que ça peut me servir actuellement puisque j'ai mal aux dents. Voilà. En ce moment j'ai la totale. Donc voilà. Elle donne des recettes pour faire un bain zen. Ah, voilà. Avec l'orange douce. Alors, en dernière page, vous voyez, il y a aussi les symboles les significations, des symboles qui sont toxiques, tout ça. Voilà. Et donc, et voilà. Donc, il y a également donc des bijoux sur lesquels on peut mettre donc des huiles essentielles. Donc là, c'est un spray que l'on met sur le bijou et que l'on respire tout au long de la journée pour se sentir bien. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc, je vais vous mettre le lien de sa page Facebook, le lien de son site internet. Donc, son site internet, c'est milleessence.com. Voilà la fiole. Ah, mais j'ai l'explication de ça. Comment utiliser la fiole en verre? Versez 2 gouttes dans votre fiole, puis inhalez profondément pendant 10 minutes maximum. Se reporter aux recettes Aroma Express. Conservez cette fiole avec vous toute la journée en l'accrochant à votre porte-clés, par exemple. Ah d'accord, ok. Alors, mais le cœur alors, on en fait quoi du cœur? Il y a peut-être une explication? Non? Le cœur, c'est juste un cadeau comme ça? Sais pas. Alors la prochaine saison, donc la prochaine box saison, ce sera au mois de janvier. Donc on la retrouvera sur le site internet et sur sa page Facebook, bien sûr. Donc non, Non mais ça m'a l'air vraiment très très intéressant.
Bon, je ne connais pas les prix parce que je n'ai pas été voir au niveau prix. Mais je vais m'enseigner, je vais quand même aller voir parce que ça m'a l'air vraiment très très bien. Et moi qui suis actuellement, le neurologue m'a mis en sevrage sur certains médicaments, donc bon, peut-être que ça pourrait m'aider. Mais bon, je vais essayer. En tout cas, bon, je suis très très heureuse d'avoir gagné ce petit concours. Hein, ça me change, il faut de gagner du scrap. Hein. Bon, en ce moment, je ne gagne pas beaucoup de scrap, mais bon. Mais donc voilà, je vous invite à aller découvrir donc sa page Facebook et sa page et son site internet. Voilà, donc elle s'appelle Sandrine. Elle m'a l'air très très sympathique. Hein, on s'est envoyé un message privé ben, pour avoir mon adresse. Donc c'est une personne qui a l'air très sympathique. Et donc voilà. Je vous remontre donc ce que j'ai gagné. Là, voilà, donc c'est trois petits flacons d'huile essentielle et donc le petit cœur. Là, je vais lui demander ce que je dois en faire ou si c'est juste un cadeau comme ça. Et donc, et le petit flacon donc, que je viens de découvrir, que c'est pour garder près de moi pour respirer un peu de temps en temps. Donc, les huiles essentielles de mon choix. Super! Et bien voilà, donc je voulais juste faire une petite revue sur ce concours que j'ai gagné et vous faire découvrir donc. Cette boutique, 1000 essences, voilà, qui m'a l'air vraiment très très sympathique. Voilà, bon maintenant niveau prix, il faut aller découvrir. Ça, je ne peux pas vous dire. J'ai pas encore été voir. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.